Ce vendredi 16 juin, on a appris le tragique décès de Didier Berton, candidat de la 6e saison de L'Amour est dans le Pré. Maraîcher et viticulteur dans l'Hérault, il avait reçu une prestigieuse récompense pour son travail. La grande famille de L'Amour est dans le Pré est en deuil. Ce vendredi 16 juin, le Midi Libre a annoncé que Didier Berton, qui avait participé à la 6e saison de l'émission de M6, était décédé dans des circonstances tragiques. Le maraîcher et viticulteur de Montady, dans l'Hérault, a trouvé la mort dans un dramatique accident à l'âge de 58 ans. D'après le Midi Libre, l'agriculteur était en train de bricoler son tracteur sur une de ses parcelles de vignes en espalier quand le véhicule aurait basculé d'une terrasse et aurait écrasé le malheureux. Ce sont des agriculteurs voisins qui ont donné l'alerte après avoir entendu une explosion. Une autopsie a été ordonnée par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Didier Berton avait fait un passage remarqué sur M6 en 2011. Didier Berton avait marqué les téléspectateurs de M6 avec son franc-parler. Lors de son portrait, il avait notamment lâché « Le sexe, ça représente 60 à 70% de mon couple ». Il avait confié plus tard qu'il n'avait pas été totalement sincère dans celui-ci. J'ai saboté mon portrait, car entre le casting et la réponse de la production, j'avais rencontré quelqu'un. Seulement, comme j'avais donné une fausse image de moi, cela a un peu faussé le jeu. J'ai parfois été maladroit, pas assez diplomate, s'était-il expliqué dans les colonnes de télévision grande chaîne. Ce qui n'avait pas empêché Agnès, une prétendante emblématique du programme, de lui écrire. Le maraîcher avait reçu l'équivalent de la Légion d'honneur pour les agriculteurs. L'agriculteur n'était pas très actif sur les réseaux sociaux. Il possédait toutefois un compte Facebook qu'il avait notamment alimenté régulièrement pendant la crise du Covid-19. Si est-il sur cette plateforme qu'il avait partagé avec fierté la photo de l'ordre du mérite agricole, distinction qu'il avait reçue en 2013 pour saluer sa carrière. Vous voyez, ceci représente l'équivalent de la Légion d'honneur mais dans l'agriculture. J'ai eu l'opportunité de la voir. Si est-il Napoléon qu'il a instauré pour remercier les agriculteurs de nourrir la France. Aujourd'hui notre président vient de nous remercier, il devrait attribuer cet ordre à tous les agriculteurs. Avait-il alors pris position ?